métro de Stockholm, est le seul métro de Suède, c'est également un ouvrage artistique, de nombreuses stations exposent des œuvres d'articles Le réseau de Stockholm, est exploité par la App Store Stockholm Local Traffic. Après la création des premiers tramways hippomobiles en 1877, et des tramways en 1901, un grand réseau de tramways fut progressivement établi dans la capitale suédoise. Les différentes sociétés de tramways se développèrent avec chacune leur ligne jusqu'à ce qu'elles fusionnent dans la société AB Stockholm S.P.A. No R.V.A. Trémagar, en français Tramway de Stockholm. À compter de la création de cette société, plusieurs projets de tramways souterrains furent proposés. En 1931 commencèrent les premiers travaux du tunnel Katarina appelé également SO tunnel entre Skanstull et Slussen, qui entra en service trois ans plus tard. Dans ce tunnel long de 1,37 km, qui desservait les faubourgs sud, on avait aménagé deux arrêts, à sautréma Drabantourge, aujourd'hui Meudbourg-Garplatessen, R1-Vatrémagène, aujourd'hui Scanstule. Le terminus Slucen était, à l'époque, pas enterré, il le fut 30 ans plus tard. Après les faubourgs sud, les mêmes travaux furent réalisés pour le tronçon de la ligne vers l'ouest. Dès 1934, celle-ci conduisait à Alvik en passant sur le nouveau pont de Traneberg. En 1944, une section souterraine fut mise en exploitation, le tunnel était prêt pour la mise en œuvre du métro. Initialement, le tunnel devait être utilisé par des tramways. Mais, compte tenu de la croissance démographique des années 1940, le tramway souterrain planifié fut remplacé par un véritable métro. Comme les plans de la section H-Autre et n'étaient pas encore assez avancés, on commença par construire le tronçon nord friedensplan H-Autre En 1946, le pont de Skanstul entra en service, permettant la desserte du tronçon de tunnel Plan Island-Storge déjà achevé. Ancien pont de chemin de fer à cinq voies, aujourd'hui utilisé pour le métro. En 1950, la première section souterraine, qui initialement devait être desservie par un tramway, fut ouverte entre Johannes et aujourd'hui Gulmars Plan, et Achotre et Maracar à, à Trémangen. En 1951, il existait même une ligne raccourcie de tramway vers Sturobi qui à partir de 1954 desservait Achotre et Magdalene. La partie ouest vers fut également remplacée par un parcours souterrain en 1954. Cette ligne allait d'un quai situé à la station VA Tremayambi jusqu'à Kangsangatan, aujourd'hui à Achotrematorjet. Aujourd Ainsi, deux petits réseaux dans le sud et dans l'ouest avaient été créés, qui n'attendaient plus que d'être reliés. En 1957, la partie centrale fut enfin mise en exploitation. Elle était entièrement souterraine, hormis le tronçon slucen gamlastan La ligne passait sur un ancien pont ferroviaire à cinq voies. Quatre de ces voies étaient réservées à la circulation normale, la cinquième étant utilisée pour les travaux d'entretien. Il était clair à l'époque qu'il y aurait plus d'une ligne de métro. Avec cette construction, la ligne verte était pratiquement terminée, seuls deux prolongements furent réalisés plus tard. La ligne verte fait 41,25 km de long et comprend trois tronçons. La ligne verte a été construite et prolongée surtout dans les années 1950. Celle-ci étant du point de vue du conseil municipal achevé, la construction d'une deuxième ligne de métro fut lancée dans les années 1960. La principale différence entre la ligne verte et la ligne rouge est que cette dernière est essentiellement souterraine, et de ce fait, n'a pas traversé de grandes zones résidentielles, contrairement à la ligne verte qui comprenait de grandes sections en surface. En 1964, le tunnel fut achevé. La ligne se composait alors de deux branches, de T Centralen vers Otré Marnsberg ou Fruat et Mangen. En 1975, les branches furent prolongées dans les deux directions, de haute marnsberg à Norsborg et de T centralen, N, à Robstan et M O La ligne mesure en tout 41,23 km de long. Ligne bleue. Le premier tronçon de la ligne bleue a ouvert en 1975. L'ensemble de la ligne est souterraine mis à part la station Kista et se trouve à une profondeur de 20 à 30 mètres. Toutes les stations contiennent des œuvres réalisées par des artistes célèbres. La ligne fait en tout 21,5 km de long. Ces deux tronçons sont joints de Trema DGA à Norden, terminus situé près du centre, AVA Trema Précédemment, le tronc commun s'étendait jusqu'à Lombergen où les deux branches se séparaient, celle du sud desservant Risne, rien que B et au-delà vers Jules à l'extrémité nord-ouest de la station Halle-Lombergen, les départs des voies de l'ancien embranchement sont encore visibles. Ce n'est que plus tard qu'une déviation est mise en service de va Mastraskogène à Risne desservant quatre nouvelles stations, dont Sainte-Biberg, et rejoignant peu avant Risne, les tunnels venant d'Halle-Lombergen. Réseau actuel. Le réseau du métro de Stockholm, comprend cette ligne. Répartie en trois couleurs, verte, rouge, et bleue, sans station, est 108 km de ligne dont 62 km en souterrain. La longueur totale de la voie est de 143,4 km.